Ultime moment de détente au bord de l'eau pour le groupe Superbus avant les répétitions. Vous allez passer à l'eau? Si, après le concert. C'est vrai, vraiment, vous allez? Ouais, nu. Le festival du Gaou, une première pour Jen et ses boys. C'est vrai que le soleil, les cigales et tout ça, ça détend l'atmosphère quand même. Même si au moment de monter sur scène, je pense qu'on va avoir un peu le trac comme chaque soir. Pas de trac, mais une bonne paire de baskets pour les fans qui se précipitent vers la scène. On est bien dans le sud. Fait beau, fait chaud. Pourvu qu'il pleuve pas, quoi. Un festival aux allures de Woodstock entre la pluie et la boue, mais qu'importe, le public est sous le charme. Est-ce que vous avez entendu parler des hystéries collectives de Superbus? Labellisé Eco-Festival, l'île du Gaou est un site protégé. On a un site qui est formidable, on a un public qui est génial aussi, et on est là vraiment pour l'amour de la musique et pour le site. Le but, c'est quand même de vivre un instant musical, un instant sympathique dans un cadre absolument génial. Jusqu'au 28 juillet prochain, les voix du Gaou vont retentir dans tout l'archipel des Zambies.